Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous et vous toutes. C'est un plaisir encore pour nous rencontrer ou par moyen ça, nous capables de communiquer aux grâces du Seigneur par le moyen de sa parole, par le moyen des saintes écritures. Moi saluer groupe soldat et moi souhaiter nous toutes bon combat parce que pour le chrétien, combat n'a pas jamais campé. Moi, demandez-nous s'il vous plaît pour ouvrir Bible nous ensemble avec moi. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, nous allons lire le verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que le Seigneur ne sera pas, sachant que votre travail ne sera pas à vain dans le Seigneur. Je reprends. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Sujet nous matin, sujet nous jeudi, c'est servir Dieu de mieux en mieux. Servir Dieu de mieux en mieux. Bien-aimé, moi, et vraiment, vraiment, vraiment content, mon Dieu, bon, moi. Inspiration ça matin pour nous parler de servir Dieu de mieux en mieux parce que gain en pile erreur qui fait pensant que n'a servi bon Dieu et le plus souvent c'est tête non observe le plus souvent c'est tête non observe c'est pas bon Dieu gain un cantique la chant d'espérance là c'est 247 le troisième verset elle dit point de repos, 47 en français, 247 en français. Il dit, la troisième verset, il dit, point de repos, de relâche, lâcheté de l'Éternel, travaillez à votre tâche, car Jésus revient du ciel. Babor, strophe, cantique ça, comme un verset biblique, non, c'est pas un ajout aussi que m'a fait à la Bible. C'est tout simplement, puisque cantique là, de par son auteur, expliquez-nous, ce frère lui expliquez-nous, bien cette sœur, lui expliquez-nous comment travail nous lui doit ardu, lui doit continuel, lui doit en forme enthousiaste pour nous et marcher avec Jésus. C'est ça que fait moi parler nous de 247 en français au troisième strophe. Normalement, l'autre deux strophes n'est pas négligeable à tout, mais cependant, c'est surtout le troisième qui intéresse le matin. Nous devons réaliser que servir mon Dieu m'a dit aller net, pas de camper, aller net. Camper à paladin, camper par l'enservie mon Dieu. Je ne crois pas que le travail mon Dieu a un arrêt, un stoppage. Pas de ça. C'est continuer travail pour mon Dieu jusqu'à ce que les feux de la vie éteignent. Pas de la vie à parler encore, l'on pas de souffle encore. C'est le ça ou capable de prendre retraite dans la servir mon Dieu. Le travail d'évangélisation prévoit pas de retraite pour ses employés. Tête charge. Travail évangélisation pas prévoit. Retraite pour mon cap faire ou pas capable faire la retraite ou pas capable faire avec la pensée que un jour ou à pour retraiter et thème de bagaille je vais Bible en main vous essayez de vous faire voir exactement ce de quoi il en retourne parce que li important pour nous compte vérité ça Luc 12 expliquez nous ça Luc chapitre 12 expliquez-nous comment nous pas devons imaginer, nous pas devons imaginer et pour nous prendre retraite par le travail de Dieu. Pas de retraite. Il dit comme ça dans Luc 12, verset 32 à 40. Ne crains point petit troupeau. Ne crains point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume.
Vendez ce que vous possédez et donnez-le aux aumôniers. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'en approche point et où la taille ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. Soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ses serviteurs, attendez bien, oui, heureux ses serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Donc, m'ba kwe gen retraite, m'ba kwe gen campé, m'ba kwe gen brique, le travail, bon Dieu. D'après ça, quel que soit mon nom, quel que soit travail, li tap fè, m'ba kwe li kapabab veye pendant que li a la retraite. Mon Dieu béni, parce que faut qu'il fait travail là. Amen. Le travail pour lequel il a été employé. À cet effet, donc, nous devons travailler de mieux en mieux. Et pour y parvenir, voilà comment. Nous allons essayer, ouais, comment nous allons faire. Travailler comme si nous, toutes gens, premièrement, sous tête nous. Nous devons améliorer notre score, bien-aimé. Nous devons améliorer notre score. Réaliser que seul travail, tout bon vrai, seul travail qui intéresse bon Dieu là nous, seul travail que bon Dieu mettait nous là comme l'église dit pour nous faire, après nous fin remel et remel prochain nous, tout bon vrai, seul travail et bon Dieu mettait là nous pour nous faire, c'est chaque homme. En nous regardez s'il vous plaît, l'Jean chapitre 15, verset 8. Qui ça qui intéresse, mon Dieu? Jean chapitre 15, verset 8. Qui ça qui intéresse, mon Dieu? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. On doit prier toute la journée, on doit jeûner toute la journée, on doit chanter toute la journée, on doit lire toute la journée. Mais cela doit servir à faire que des gens acceptent Jésus comme leur sauveur personnel. Ça, c'est son bagage qu'on n'est pas capable et quatre de lit, son bagage qu'on n'est pas capable et loyaux de lit, son bagage qu'on n'est pas ignorer, son bagage qu'on n'est pas mépriser, son bagage qu'on n'est pas indifférent vis-à-vis de lit. Ça, bon Dieu a cherché la main, c'est pour que le royaume n'y élargit. Vous êtes un employé de Dieu, vous êtes un serviteur de Dieu, vous êtes une servante de Dieu, et c'est ce dont Dieu attend de vous. C'est ça, bon Dieu a cherché la main, oui, bien aimé. C'est ça, bon Dieu a cherché la main, nous. C'est ça que nous devons employer, nous, à ce que nous fait travailler ça bien. Amen, amen. Et deux pierres, chapitre 1er, versets 5 à 11. Apédé nous fait ça. 2 Pierre, chapitre 1er, versets 5 à 11. Apédé nous fait ça. 2 Pierre, chapitre 1er, versets 5 à verset 11. Attendez, ça le dit. Et me donne la main au suivant. Amen. 2 Pierre, chapitre 1er, versets 5 à verset 11. Il dit, à cause de cela même, à cause pour nous capable de travailler de mieux en mieux, oui. Pour nous capable de plus diam, plus solide, plus en forme de travail, bon Dieu, oui. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, à la charité. Attendez, pour capable qui va le bagage ça yo pour la vie en tant que serviteur de Dieu, duquel bon Dieu a attendre un service. Car si ces choses sont en vous, attendez bien, oui,
et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Bien-aimés, nous devons travailler de mieux en mieux, et pour y parvenir, je viens de vous donner le secret. Le secret est que au capable joindre à la science, à la vertu, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Si bagay sa yo en dedans, pa ganye kap fò pa antre. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée au verset 11 du même chapitre. Que bon Dieu capable de nous comprendre matin. Et comment servir Dieu de mieux en mieux? Le serviteur de Dieu doit être constamment en état d'alerte. Parce que t'aimes nos bagailles, ou doit servir de mieux en mieux. Par exemple, yo bon diriger service là aujourd'hui. Ou te diriger premièrement depuis yo bon diriger service là, depuis yo mande au prêcher, depuis tout ça, ou mettez sous genou parce que t'aimes nos bagailles professionnelles là fait bon Dieu. C'est bon Dieu qui baille l'homme moyen pour faire appel. A fait les hommes, par exemple, ou qui doit dans le séminaire, c'est très bien. Ou qui doit étudier, ou qui doit. Nous comptons pour vous. Il est très bon pour faire ça. Mais cependant, pas quoi que séminaire qui a équipé pour faire travail, bon Dieu. C'est cet esprit qui équipe le monde pour faire travail, bon Dieu. Ça veut dire que depuis que bon fait travail là, ou prier, bon Dieu. Bon Dieu, mon Dieu, je demande de vous prêcher. Seigneur, bon vous message pour nous. D'abord. Et puis, bon vous message pour le monde qui attend de mieux. Fait que, oh Dieu, je suis capable de joindre qui choye pour nous dans le travail là. Fait que bon monde qui attend et fait que le message moyen capable de gagner effet sur la vie du monde. Et la prière ça, c'est prière monde qui a dirigé. Mais ou même qui n'a pas venu, qui n'a pas un rôle spécifique dans le service là. Bon Dieu, béni dans le monde, prédicateur, béni dans le monde qui a parlé, parce que tout le monde n'a pas gagné monde qui a besoin de la prière. Amen. Dieu veut que nous, tout le temps, faire inventer en tête nous. Tout le temps pour nous faire inventer en tête nous. Tout le temps, puis placer au-delà, puisque c'est vous qui avez prêché, c'est vous qui avez valeur, c'est vous qui avez dirigé, c'est vous qui avez valeur. Ce n'est pas peut-être ça, bon Dieu, mais tout là. C'est pour nous toutes. C'est pour nous toutes. Regardez, où sont pour nous toutes? Ça veut dire que l'homme est bon Dieu, bon travail là, c'est parce que bon Dieu connaît, ou prend une bénédiction pour nous toutes. Le bon Dieu, bon travail là, c'est parce que le connaît, moi prend une bénédiction pour nous toutes. Ça pas t'adoué, faire aucune fréquence. Ça pas t'adoué, bon, aucun complexe de supériorité, pas supérieur. Tout simplement, bon Dieu, mettez parole en dedans, soit pour me diriger, soit pour me prêcher. Amen. Dans mon réalisé, oui, nous constamment en état d'alerte. Chaque serviteur de Dieu doit chaque soir faire inventaire comment journée a été pour moi dans le Seigneur. Tenez ça, David dit en Somme 139, verset 23 et 24. Dans Somme 139, verset 23 et 24, David a parlé. David dit, sondez-moi, connais-moi. Il dit, sonde-moi, verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça, c'est la prière de tout serviteur et de toute servante de Dieu. Tout le monde qui connaît que on a fait, on doit travailler de mieux en mieux
pour bon Dieu. C'est pour tout le temps ou à checker tête ou pas de temps. Vous venez comprendre son premier qui dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, s'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Parce que tu me dois, ou pas de temps pour enquêter l'autre l'obéir, ou pas de temps pour enquêter l'autre problème, ou pas de temps pour enquêter l'autre palabre, ou pas de temps pour enquêter l'autre divergence. Diversité, ou pas là dans yo, ou même, ou focus sur ciel, ou focus sur travail, mettre là, ou focus sur travail, mettre là-bas pour faire, parce que vous jouez là pour rendre compte. Amen. Et deuxième verset, comment servir Dieu de mieux en mieux? Et c'est dit que le serviteur de Dieu doit être constamment en état d'alerte. C'est Hébreux 6, verset 9 à 12. Hébreux 6, verset 9 à 12. Hébreux, le chapitre 6. Verset 9 à verset 12. Parce que franchement, nous devons connaître pour nous déclarer la permanence. Là, a fait bon Dieu, là, a servi bon Dieu, la permanence doit être déclarée. Hébreux chapitre 6, verset 9 à 12. Il dit, quoi donc? Non, excusez-moi. Quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. C'est la Bible qui dit ça, bien aimé, pas moi, non? Quoi que nous parlions, c'est un travail de mieux en mieux. Ainsi, bien aimé, quoi que nous parlions ainsi, bien aimé, nous attendons pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Amen. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Amen. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous initiez et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Alors, on finit le chapitre là parce que il est très édifiant en ce qui a trait à monde qui disposait pour y prendre retraite. Yo. Bonne chance, peut-être que la retraite vous servira à quelque chose, mais cependant moi-même, m'a souhaité me continuer de travailler jusqu'à ce que mourir. Et dernier point message ça. Ceux qui travaillent sans arrêt, on la garantit qu'ils ne travailleront pas en vain. Moun qui veut travailler et sans arrêt, sans repos, et pas sans repos non, sans arrêt, comme si m'da dit au travail, au campé, ou au fin de travail, non. Le fin de travail net, comme Dieu s'était reposé de toutes ses œuvres la Genèse, vous comprenez? Et leur fin travail net et bakwe sous la terre nous autres pécheurs repentants nous capables d'y nous fin travail. Nous avons considéré ce même passage que je viens de lire en 1 Corinthiens 15 verset 58. Dans mon considéré verset encore, il dit ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Travail ou n'est pas en vain dans le Seigneur. Sous travail de mieux en mieux, au travail, au qu'on est que travail ou pas en vain dans le Seigneur. Ou pas, ou gain garantie, votre travail, il ne sera pas en vain dans le Seigneur. Travail ou les papes en vain, bah tout bagay ou fait sous la terre, yo tout ces vanités ou bien aimé. Alors m'da dit plutôt, bah m'dit le bien, tout travail ou sous la terre, yo tout en vain oui, yo tout en vain net oui, pas grand rien pas en vain non, sous la terre. Ou bah acheter caille là, ou pas bien ou ap quitter le pour moun, ou acheter machine, ou ap quitter le pour moun, l'ap craser, ou pas bien peur, tout ça ou fait sous terre, belle radio, ou parler avec un seul radio ou parler, ou pas bien peur, tout l'argent yo, ou pas mettre un dollar là pas sous l'eau parler.
tout ça fait sur la terre. C'est ce travail ou fait pour bon Dieu seulement, oui, qui peut arrêter. Alors voilà, voilà que on travaille. On travaille 8 heures de temps. Il y a des gens qui travaillent 12 heures de temps par jour pour prendre soin de koyo. Et tout bagaille ça y est pour arrêter sur la terre. Tout bagaille ça y est pour arrêter. Seul ça peut arrêter. C'est votre travail dans le Seigneur. Amen. Votre travail dans le Seigneur. La Bible parlait, l'apôtre Paul dit comme ça, mais nous rendons Seigneur au service. C'est travail pour Seigneur. Ou inviter au monde dans le réseau ça. Ou qui ne doit pas gagner la capacité pour bailler l'évangile. Mais cependant, on pouvait inviter au monde venir entendre l'évangile. C'est un travail. C'est un grand travail. Combien de fois on invite aux amis qui ne sont pas convertis? Au monde qu'on connaît pas converti. Yo famille, combien fois on invite yo vini. C'est ta rôle ou là qu'on est que on capable évangéliser comme ça. On est que invite yo vini dans le réseau. Vini tendez parce que tem do bagay, on connaît sous tendez. C'est la foi vient de ce qu'on entend. Sous tendez, on capable gon bagay qui touche yo. Capable gon graine parole qui dit pour monde cap crier consoler. Capable gon graine parole qui dit pour monde qui en deuil retrouver joie. Capable gon graine parole qui dit pour monde qui désespéré rejoindre les rails de l'espoir. Capable gon graine parole qui dit pour monde qui a perdu pédale yo retrouver parce que yo tendon mot, yo tendon parole parce que parole bon Dieu puissant, parole bon Dieu sauvé, parole bon Dieu délivré, parole bon Dieu guéri, parole bon Dieu consolé. Bien-aimé moi invité yo pour goumen, pour garder, pour l'or fin travail. Est-ce que vous travaillez de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux? Parce qu'il est question, selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, de travailler de mieux en mieux dans le Seigneur, sachant que votre travail, il ne sera pas en vain dans le Seigneur. Quand on campe là l'évangile, ça, que bon Dieu bénisse. Sous une bénédiction, la parole, ça, transférez le bon à l'autre monde. Parlez avec l'autre monde. Parlez là avec l'autre monde. Voyez le bon l'autre monde. Dis l'autre monde ni. Et permettre que travail bon Dieu capable de faire comme ça. Moi, présenter le salut au nom de Jésus. Et moi, présenter la grâce de Dieu au nom de Jésus. Que bon Dieu capable de faire toute grâce. Que bon Dieu capable de casser toute corde. Que bon Dieu capable de péter toute chaîne. Que bon Dieu capable de rouler toute roche. Que toute Goliath, toute Pharaon, toute la mer rouge, tout qui a disparu devant au nom de Jésus-Christ. C'était serviteur ou pasteur Joseph Williams Metellus.